Bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 26. Haïa. Le texte traditionnel nous dit que cet ange gardien rend les juges favorables à notre cause et qu'il nous fait gagner les procès. Nous devons comprendre cela dans un sens philosophique. Nous avons tous une cause à défendre, une ambition à réaliser, et cet ange est le moteur de nos ambitions. Le protégé de Aeya agira en accord avec les lois divines et humaines. Il sera l'homme juste et véritable, capable d'engendrer un espace social où ce qui est juste pourra s'épanouir. Il aura la possibilité de se manifester dans les palais de justice, dans le domaine social ou politique, partout où la justice et la vérité seront nécessaires. La personne aura un comportement juste selon les règles morales et sociales, mais cela ne suffit pas. Elle doit prier son ange gardien afin d'extérioriser cette force, ce don de justice et de vérité. Prière à l'ange Aeya. Aeya, je souhaite, ange, être sur terre le dépositaire de ta lumière, le digne porteur de ton livre. Et si tu m'accordes le pouvoir d'arbitrer des conflits entre les personnes ou des peuples, aide-moi pour que je puisse apporter des solutions dans une perspective humaine élevée, en pensant au bonheur des gens et en harmonie avec les engrenages qui font avancer ton univers. Éveille en moi l'inquiétude pour la véritable spiritualité, afin que la lumière que tu m'offres fasse de moi ton ambassadeur, ton associé dans le travail du monde, pour qu'ainsi je puisse réaliser utilement ma vie dans la joie, la paix, la richesse, morale et matérielle, le bonheur. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.